Avec deux jeunes slameurs. Veuillez les ovationner, s'il vous plaît, avant que la régie ne soit prête, s'il vous plaît. Veuillez les ovationner, s'il vous plaît. Thank you.
grandis, auteur contemporain. Mais je ne suis qu'une voix qui te parle. Ils ont donné un nom à mon art, ils appellent ça du slam. Mais on dit que mon art dérange. On dit que mon art dérange quand je dis ce que je pense et quand je pense ce que j'ai dit. Nuance quand c'est étrange. Mon slam te donne de l'air pendant qu'il t'étrangle. Regarde jeune femme sous un autre angle. Regarde femme guerrière. Regarde femme leader, oui. Regarde comme les temps changent. À l'ère d'une société, à tête des révolutions. Révolution sous le guide de l'évolution. Où d'autres gardent encore leur vieille résolution, lui donner si beau nom. Ils appellent ça la tradition. Tradition, chut, je te fais la tradition. Considéré comme un simple aide, personnage secondaire après Adam, dont je suppose, t'es juste là pour faire l'addition. Ton existence se résumait qu'à sacrifice et soumission. Soumission, plusieurs fois vu comme problème, mais jamais comme solution. C'est acquis depuis tout petit, on a sans cesse répété qu'une bonne femme, c'est celle qui sait supporter, supporter sans broncher. Voilà ce qu'ils disaient ces grands messieurs. Ils ont dit que t'es celle à qui Dieu a juste fait la grâce de porter des bébés. Celle qui doit toujours tolérer, tolérer car elle a un cœur en or. L'homme ne peut pas avoir tort, il ne peut pas se tromper. Il ne peut juste qu'oublier, oublier des fois de l'avouer. Ils ont dit que l'école c'était pour les hommes. Ton rôle c'est d'apprendre à faire la cuisine. Jugé plutôt par l'éducation que tu donnes pendant que monsieur lui là au bureau ou à l'usine. Voilà ce chant que t'ont chanté depuis des années ces grands vertueuses, disant que si tu danses sur le son, tu finiras par devenir une femme vertueuse d'après eux des vérités. Mais le temps passe qui peine encore à se faire vérifier. Là, j'ai levé les yeux, j'ai vu une nouvelle race, celle des guerrières. Décider d'être en avant et plus jamais en arrière. Changer les mentalités, oublier les préjugés. Tiens, j'ai vu des jeunes des docteurs. Alors ça a commencé. Tic-tac, une véritable révolution. Refusant d'être vu comme source de problème, mais plutôt comme solution. Ça a commencé par lui, deux. Maintenant elle voit toute grande. Refusant d'être relayée au second rang. J'ai vu l'espoir dans les yeux de cette fillette qui dit: lorsque j'irai grande, je serai comme elle. Une femme de feu, je serai directrice, ministre et pourquoi pas présidente. Elle a rempli son cœur de vœux. Sur la route de la vie, elle tient le volant de son devenir, de sorte à prendre la meilleure avenue, celle du succès et de la réussite. J'ai vu cette jeune dame qui s'élève et qui dit: oui papa, j'assumerai la relève. Je vois les salles de classe remplies de filles. Tout d'un coup, on dirait que ce sont les traditions qu'elle défie. Mais l'homme essaie là encore de mettre une barrière, essayant de la faire répouler dans sa tanière, imposer sa supériorité, peu importe la manière. Mais j'ai levé les yeux, j'ai vu une nouvelle race, celle de guerrière. Décider d'être en avant et plus jamais en arrière. Changer les mentalités, oublier les préjugés. J'ai vu des jeunes femmes fortes, courageuses, oui, des leaders. Écoute, le combat vient à peine de commencer. La victoire est loin d'être remportée. Leader des mondes qui a ta portée, je le vois dans tes yeux. Tu es forte et déterminée, intelligente que tu es. À ce moment, tu peux tout apprendre. Il suffit juste d'y croire. Croire, tes rêves, tes grandeurs seront une réalité. Leader d'une époque que tu peux conquérir. Trop forte, aucune case ne pourra te conquérir. Il suffit juste d'y croire. Croire, et tu verras que tout est possible. Leader, leader des millénaires que tu peux coloniser. Trop concurrente, nul ne peut rivaliser. Il suffit juste de penser. Penser, et tu verras que tout est possible. Écoute. Leader, ça commence par si peu de choses. Trop longtemps qu'a duré ton sommeil, trop longtemps qu'a duré ta pause. Ton manque de confiance en toi en était la cause. Mais réalise, oui, réalise qu'à toi toute chose, tu pourras changer les choses. On ne peut pas tout avoir dans ce monde. La vie ne nous donne pas ce qu'on veut, non. Elle nous donne ce qu'on mérite. Et on mérite tous d'avoir une vie heureuse. On a tous droit au bonheur, même vous. Mais pour cela, il faut que vous réveillez votre conscience. Il faut que vous ayez de la connaissance. Il faut que vous soyez forte, oui. Il faut que vous soyez forte. Il faut que vous fassiez le pas qui va changer votre destinée. Nous, nous croyons en vous. Nous savons que vous pouvez le faire. Mais il n'y a que vous
qui peut rendre ce rêve réalité. Je répète, il n'y a que vous qui peut rendre ce rêve réalité. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi on dit que mon art dérange. Oui, on dit que mon art dérange quand je dis ce que je pense et quand je pense ce que je dis, nuance comme c'est étrange. Mon slam te donne de l'air pendant qu'il t'étrangle. Regarde jeune femme sous un autre angle. Regarde femme leader. Oui, regarde jeune femme guerrière. Regarde comme les temps changent. Oui, regarde femme leader. Regarde comme les temps changent. Slam impact. C'est ça mon art. C'est vrai qu'ils ont dit. Ils ont dit que tu ne pourras jamais rien réaliser. Ils ont dit qu'à toi tout seul, tu ne peux rien faire. Mais sors de cette case. Sors de ce qui t'enferme. Sors de ce qui te renferme. Parce qu'en toi, il y a un immense talent. Un talent qui ne peut jamais mourir. Jeune femme, je t'ai vu. Écrire sur des cahiers, c'est vrai. Je t'ai vu. Aucune barrière ne pourra t'arrêter là. J'ai levé les yeux, j'ai vu une nouvelle race. Celle des guerrières. Décider d'être en avant et plus jamais en arrière. Changer les mentalités, oublier les préjugés. J'ai vu des femmes fortes, courageuses, oui, des leaders. Par les paroles de ces deux slammeurs, veuillez les applaudir s'il vous plaît. Alors, distingués officiels, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à présent à l'étape des panels, le moment tout attendu. Pour conduire cette étape, je vais faire appel à une voix plus autorisée que la mienne. J'invite à cette une dame leader originaire du département de la Bagoué, précisément de la sous-préfecture de Kolia. Elle est diplômée de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, du centre d'études et de recherche en communication et de l'Institut de linguistique appliquée. Son engagement dans la vie associative lui a valu plusieurs postes. Au niveau professionnel, cette linguiste aux multifacettes est présentement engagée pour la cause des enfants au sein de l'ONG, réseau des acteurs de médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, RADVEC. À travers l'association Filles Dynamiques pour le développement de la Bagoué, FITIDEV, dont elle est la présidente fondatrice, elle entend faire la promotion du leadership féminin afin de bannir les stéréotypes et montrer un autre visage de la femme et des enfants de la région de la Bagoué. Et au-delà, mieux s'engager à promouvoir les droits de la femme et des enfants. Recevons sous des ovations bien nourries, dès à présent, la modératrice de la première édition de la journée de la jeune femme leader, mademoiselle Touré Awa. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Alors, Président, il fallait vous dire que c'est un panel purement, enfin, vous avez dit que c'est un panel purement féminin, mais il fallait dire que c'est un panel également masculin, parce que je vois des têtes féminines, là, à ce panel. Ok, en tout cas, merci à vous, chers messieurs, de venir pour soutenir, n'est-ce pas, la jeunesse étudiantine et scolaire du département de Boundiali. Merci surtout parce que je sais que c'est parce que vous avez soif de connaissances que vous êtes ici avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes, comme mes prédécesseurs l'ont dit, à la première édition de la journée de la jeune femme leader. Comment investir en soi pour convaincre ?